Tout d'abord, on aura besoin d'une vraie hache qu'on va customiser. Donc, bienvenue dans Pimp My Axe. So you wanna be a player. Donc on a la partie supérieure qu'on va couper à certains endroits. Donc je vais t'expliquer ça. J'ai fait un petit modèle sur Paint, donc ça va ressembler à ça. Donc déjà de base elle est dégueulasse. Et ensuite on va couper cette partie. Là aussi. Celle-ci aussi. Et on la limera légèrement ici. Donc on va d'abord couper cette feuille qu'on va coller par-dessus. Mais avant de faire cela, on doit retirer le manche sans l'abîmer, en forant le coin noir. La mer noire. Bon, 20 000 ans après, j'ai enfin réussi à enlever le manche. Ça a été galère, mais j'ai réussi. Il est un peu abîmé, mais bon, avec du papier à poncer, ça fera l'affaire. Ok, on va désormais s'attaquer à la partie principale. Donc on va découper cette fameuse feuille qu'on va coller par-dessus, et ensuite on va découper la pièce. Go. On a découpé les parties inutiles, maintenant on doit poncer le tout vu qu'il y a des triangles un peu partout. J'avais déjà commencé cette partie mais il reste encore un peu de boulot à faire. On va arranger ça avec un disque à poncer, c'est un grain 80 je crois. Non, 40. Une fois qu'on aura enlevé tous les triangles, on va poncer la lame vu qu'il y a marqué 1600 dessus. Et c'est dégueulasse. Après on doit poncer les fesses encore. Fesses.
Bon, une fois la découpe terminée, ça donne ça. Il nous reste juste à poncer la lame et on fera les gravures et après on s'attaquera aux manches. On va d'abord commencer par du 60, 120, 200, 300, 400, 500, 666, 800. Et après on va arriver à 1000. On va tout simplement chromer la pièce comme ça, c'est un miroir. Le plus gros défaut, c'est le creux qu'il y a ici. Tu te souviens, il avait marqué 1600. Du coup, j'ai dû poncer uniquement à cet endroit, ce qui fait qu'il y a un creux. Ensuite, j'ai reponcé tout autour comme ça, il n'y a pas de différence. On va désormais poncer toute la pièce métallique. Go! J'ai enfin terminé le ponçage, j'ai arrêté jusqu'au 300 vu que ça fait un effet alu-brossé, ça le fait plutôt bien. Donc avant de passer à l'électrolyse, il faut d'abord faire les motifs. On va tracer le contour de la hache avec un crayon en papier, on va laisser une petite marge de 5 mm tout autour, tu vois là. Comme ça, ça va aller là, là, bah, bah. Bon là, c'est un critérium, mais bon. On va mettre du vernis tout autour et la pièce qui est nue comme ça va se faire déglinguer par l'électrolyse. En fait là on va mettre le vernis, il va être protégé. Après ça on va l'enlever avec du dissolvant. Une fois qu'on aura fait ça on pourra faire des motifs. Alors j'ai fait un petit croquis. Voilà à quoi va ressembler la hache. Du coup cette partie qui est là, tu vois celle-là, va être protégée. Tout le dragon va être en gris, sauf les yeux. Après on va laisser une partie en gris, l'autre en brillant. L'autre en gris, brillant. Gris, brillant. Et là tu dis waouh, c'est beau. Là on a fait le contour, on va mettre du vernis tout autour. Et pour les dessins on va utiliser le truc de pute là. Là ça me paraît bien. T'es prêt ou quoi? Ok bon c'est parti. Enfin! Donc j'ai enfin fini la girafe. Maintenant on va faire les détails. Attends, je vais zoomer comme ça tu vois mieux. Alors tu vois toutes ces parties. On va prendre le nail art et on va gratter sur tous les bords. Comme ça c'est bien lisse tu vois. Donc on fait les détails et après on passe à l'électrolyse. C'est parti! Thank you.
Bon, avec l'électrolyse, ça a complètement foiré. Le dessin s'est enlevé à cause des petites bulles qu'il y avait. Du coup, j'ai redû dessiner une girafe. Après avoir refait la girafe, j'ai immergé la pièce dans de l'acide. Et là, de nouveau, il y avait les petites bulles et le vernis s'est enlevé. Du coup, j'ai dû recommencer. Et cette fois-ci, c'est bon. Et la solution, c'est tout simplement la gravure avec la Dremel. Cette fois-ci, on va faire le contour. Donc ça, c'est juste une rallonge. Sinon, la pièce, elle est là. Pour l'activer, c'est juste comme ça, tu sais. Et là, ça tourne. C'est bon ça. Allez, c'est parti. Donc on va faire la gravure. Je te montre juste un petit peu. Ça, tu vois ce que ça fait. Attends, je l'allume. La tête est désormais terminée, on va s'attaquer aux manches. Ça va être beaucoup plus simple. Tout d'abord, on va poncer la surface. On va enlever le pommeau en plastique. On va racler cette partie qui est tout cassée. Enlever le plastique. Une fois qu'on aura tout poncé, je vais prendre le chalumeau et je vais passer des petits coups comme ça. Les fibres du bois vont cramer, ce qui les rendra visibles. Pour l'adhérence, on mettra du chanvre ici et là. Voilà, ça me semble bien. On va couper la tête en pointe. Je vais d'abord racler la surface. Ensuite, poncer, brûler le tout et on collera le chanvre. Voilà, go !